Re YouTube, j'ai bien mangé en à peu près 15 minutes. Enfin, le temps de préparer, ça fait 30, mais j'ai mangé en 15 minutes. Moi, le lien, il marche pas. Ah, bah tu peux le copier-coller et ça marchera. Donc voilà, on est de retour. Il y a une ou deux exceptions en effet, mais évidemment, pas de name dropping comme d'habitude. Hein. On va pas commencer à se fâcher avec les gens. Ce serait dommage. Ah, vous savez pourquoi je pète les trucs là? C'est parce qu'il y a un succès. Je me fais chier à péter ces machins là à chaque fois. Et c'est parce qu'il y a un succès. Pour tous les péter. Et il y a Genius qui vous dit bonjour, qui vous dit re YouTube. Elle est très gentille. Elle veut pas voir comme un lien. Ah d'accord. Oh là là, regardez! Les Illuminati! Il y a un truc d'Illuminati en haut! Oh mais là aussi! Mais ça, ils sont partout! C'est dans la... Ok. C'est dans cette zone là, quelque part. Il y a un truc. Là c'est... Regardez, c'est marrant qu'il y ait quelque chose quand même. Quoi? Mais pourquoi tu fais ça? Aloy, pourquoi tu me fais ça? Mais non, mais je veux de l'autre côté, moi. Ce sont les peintures Banouk. Les peintures te montrent la voie. Ah, d'accord. Merci pour l'info. Oh, oh, le petit ralenti, là, c'est sympa. Voilà, il y a une grosse peinture. Une sorte de figurine, probablement Banouk. Vous avez entendu l'écho? Oh, et... Attendez, écho à fond. Ohé. Ohé. Il pleut. Peu importe. Ah. Oh, c'est fou, hein. C'est fou, ça marche tellement bien. Je suis mug dans la vallée. Mais qui les con? Mais pas du tout. J'aime comme ce monde est discret. Ils ont mis toutes les cordes en jaune par la peinture des prises sur laquelle tu peux t'agripper. Bah oui, bah c'est normal. Enfin, les trucs d'escalade généralement ils sont visibles quoi. Mais non, mais à chaque fois je me gourre. À chaque fois. Hein. À chaque fois je mets une patate avant. Hein. C'est le jaune Naughty Dog, comment ça hein? C'est quoi le rapport avec Naughty Dog? What is the rapport? Bon, est-ce que je vais casser de la gueule ici? Je pourrais, hein. Petit R comme Arabia. Bah il y a Arabia qui est passé évidemment. Vous l'avez vu. Toi-même tu sais. R comme toi-même t'as vu. Dans Uncharted.
tous les appuis sont jaunes. Ah d'accord, ok. D'un point de vue gameplay, je comprends la raison. D'un point de vue immersion, parfois, souvent, c'est un chouïa ridicule, excuse-moi. Bah écoute, moi, des trucs d'escalade qui sont faits justement... Enfin, là, qui sont faits pour tous... Là, dans le contexte, je trouve pas ça déconnant. D'autant qu'ils ont pas tout peint, en plus. Les corniches, par exemple, des... Alors, elles sont un peu blanches, les corniches, on est d'accord là-dessus. Mais je trouve que... Ouais, non, en fait, c'est... Je trouve ça plutôt discret, en fait. Par rapport à d'autres jeux où c'est rouge, rouge et ça flash. Et en fait, là, ouais, non, je trouve que ça rentre dans le lore, en fait, du jeu. C'est juste... Y a des, ils ont fait des chemins pour que tout le monde puisse les utiliser. Pour les peintures Banouk, ok. Pour les fortins que tu attaques, Echo, mais... Mais c'est pas donc plus que clignotant, ça va, ouais, c'est ça en fait. Là, je trouve que dans le lore, franchement, ça, c'est ok. Je saurais jamais. Hein. Je partage pas ton avis, mais je le respecte. Enfin, je peux comprendre que toi ça te saoule. Mais ouais, non, je trouve que. Faut que je retourne là-bas. Ah merde. Je peux passer par en haut là. Et eux, je peux pas les. Ils sont combien? Il y en a deux là. Allez. Là. Qu'est-ce que je fais? Je fais le tour ou pas? Ah, mais je peux pas faire le tour en fait. Ah, mais je peux pas faire le tour. Dommage qu'ils s'attaquent forcément aux machines piratées, ce serait cool de créer une armée. Ah bah c'était exactement ce que j'avais en tête, en me disant bah voilà en fait j'en pirate 2, 3, et puis après ils vont me suivre. Et comme ça je peux aller éclater grand machin là-bas là. Et finalement je crois que j'irai pas éclater grand machin. J'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur, c'est vous qui avez eu peur, nananer. Un raton. Ah non. Non, c'était pas un raton. Ça apaisera ma faim. Oh, est-ce que j'essaie quand même de lui casser la gueule? D'après vous, je lui casse la gueule ou pas? On va faire un truc. J'ai quoi? J'ai quoi dans... 8 points! Mais pourquoi je les utilise pas? Je suis complètement con. Quel piratage?
La riposte, on s'en fout. Profil bas, esquive, course. Attaque silencieuse. Ah voilà, ça fallait que je le prenne. Mais le triple tir là, ça pourrait m'intéresser pour... Non bah non, je sais pas. Économe. Mais franchement, ça peut être pas mal. Accru de récupérer des ressources supplémentaires. Ouais, vas-y. Et j'ai plus qu'un point, est-ce que je le claque dans précision? Ou réflexe du chasseur? Parce qu'il y a quoi? Après j'ai quoi? Allez vas-y pour précision. Mais du coup j'ai pas fait les trois flèches. Mais non mais du coup j'ai pas mis les trois flèches, oh là là mais... En fait, ouais, ça serait bien si on pouvait leur donner des ordres, quoi. Ça serait. Ça serait un bon truc d'avoir un début d'ordre, quoi. Alors, attendez, je fais ça. Tac, tac. Là, je charge. Je mets deux flèches. Vous avez vu la taille du machin? Allez. Allez, dégage ça. Ouh. J'ai déjà tout claqué. J'ai pas eu peur. Je vois rien! Non! Ah non mais! Ah mais quelle honte! Non mais elle veut pas! Elle est chiante! Merde les plantes. Allô les plantes. J'ai plus de munitions mais j'ai des idées.
Bah t'as des idées, ouais, tu... Ah, vas-y, charge-en deux. Salut Dova! J'espère que tu vas bien. J'espère que la qualité du stream te plaît. C'est ma dernière flèche, hein. Tout petit et très facile à chasser, ou pas. Ouais, le pauvre cactus, victime collatérale. C'est clair que le cactus, il en a pris plein la gueule. Le pauvre. Le pauvre, je voulais pas. J'imagine que le clip, c'est ça, c'est moi visant dans le cactus, quoi. Si je vois bien, tu perds 3 flèches et donc des ressources quand tu fabriques tes munitions. Et une réserve de 15 et tu fabriques 6 par 6. J'aurais dû prendre un chariot. Non mais j'imagine que c'est bien fait et que... Tu perds pas des ressources en fait, ça calcule que le delta. J'imagine. J'imagine parce que le jeu est bien fait. Non. Non, le jeu est mal fait. Ah. Les bleus. Attendez, les bleus c'est lesquels? Rare. Non, c'est les verts qu'il faut que je dégage. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Toi, tu dégages. Plus 44... 40... Quoi? Bobine de dégâts, plus 45? Attendez, on va faire un petit truc là. On va faire un petit truc tout mignon, tout simple.
C'est... Ah non, je l'ai pas encore acheté, c'est vrai. Ah ouais, non, je vais garder ça pour mon arc... Retrouvaille, c'est quoi? Merde, j'ai oublié ça. J'ai oublié qu'il y avait la petite quête nulle. On aurait pu faire ça, en fait. Ah mais c'est loin! Mais l'enfer, mais l'enfer! Est-ce que j'y vais ou pas? Puis-je t'offrir un conseil pour combattre ce type de monstre? Enfin, 3. C'est ok pour toi? Ouais, vas-y! Puis je te fais confiance, je sais très bien que tu vas pas me spoiler, que tu vas vraiment me filer une astuce pour que je me démerde mieux, quoi. Après, le combat s'est pas trop mal déroulé, je trouve. Déjà, crie-moi. Hein. Ah oui, d'accord. Hein, t'as un lance-câble, n'hésite pas à l'utiliser pour immobiliser les grosses proies. Ah mais ça marche même sur les trucs énormes comme ça? Mais je lui ai dit de me mettre là et il m'a pas mis là. C'est vrai que le lance-câble, je m'en sers jamais. En plus là j'ai acheté le lance-câble plus. Et genre j'en fais strictement rien quoi. J'ai peur partout maintenant. C'est par là, je déconne pas, hein. Oui, c'est par là. Ah bah c'est un petit lapin. Les bombes et autres pièges possédant des éléments très puissants pour affaiblir, mettre des états sur les ennemis. Assez rapide. Alors les bombes c'est ça? Ah bah oui, les bombes à gel et les bombes électriques. Voilà, ma question était conne, parce que c'est du coup... C'est écrit dessus. Petit lapin, ça, ouais, petit lapin. Alors, j'ai découvert un feu de camp, c'est parfait. Et les pièges en bas. Ah, mais c'est ouais, ça, je. En fait, je me suis jamais intéressé à ce qu'il y avait en bas. C'est con, hein. Ça, je sais que maintenant, c'est appeler les ennemis, ça. Non, je sais même déjà plus. Ça y est, j'ai déjà oublié. Je me suis que servi de mes fioles d'astuces. Un jour, j'arriverai à faire une sauvegarde rapide sans mettre un coup dedans avant. Abattre un ravageur pour utiliser son canon sur le début du combat et ou ramasser les armes du gueule d'orage est ultra puissant. Ah, attends. Attends, je peux... Quoi? Coucou Bibi. Je peux utiliser les armes des... Attends, je peux utiliser les armes? Mais tu l'apprends quand? Mais quand est-ce que tu l'apprends ça dans le jeu? Bah oui, tu me dis ça. Tu me dis ça? Bah oui. Bah quand est-ce que je l'ai appris dans le jeu quoi?
Coucou Yoran. Mais non, t'as rien vu. Regardez, regardez, je suis caché. Non. Non, ça va pas marcher. Mais y'a rien pour se cacher dans ce pays de merde. Ah si, là, regardez. Je peux m'en sortir. Mais remets-lui un coup. Oui, fais rien. En bas à gauche, oui, le point d'interrogation permet d'appeler un ennemi. Quand tu es accroupi dans les herbes, ça va même l'attirer, le tuer en un coup et obtenir des XP bonus. Et. Ça va, super séance ce soir. Super séance de quoi? Oh, ça fait plaisir de vous voir toutes et tous ce soir. Également, les pierres pour envoyer les ennemis ailleurs. Ça, les pierres, oui, effectivement, les pierres, on apprend à s'en servir dès le début. Après, je m'en suis plus jamais servi. Mais les pierres, effectivement, on apprend à s'en servir au début. Mais merde! Je sais pas viser! Pourquoi ça fait ça? Je crains plus rien. Je crains plus rien. Ouais, d'accord, non, bah non, t'es juste en train de te faire défoncer. Mais... Oh merde! Énerve le oiseau! Le oiseau, tu m'énerves! Ah voilà! Il est où? Putain, il y en avait un qui était au sol. Ah bah voilà! On arrive à péter la popoche. Voilà. Ben voilà. Au moins les malins là. Tu te souviens que je suis photographe ou pas? Ouais, mais c'est ce soir. Enfin, toi, c'est ça qui m'étonne en fait. Évidemment que je me souviens que t'es photographe. Arrête un peu. Mais voilà, ouais, tu dis la séance de ce soir, donc je suis étonné que t'aies fait une séance ce soir. Ou alors c'est une séance à la maison. Mais c'est tout. Je suis là, mais je bosse, la séance ça peut être psy, sport, spiritisme. Comme tu as loupé le message, pour les armes lourdes au tout début du jeu, quand tu ramasses l'arme lourde d'un agresseur... J'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir de ça. Hein. Si je lui ai dit il y a plus de 4 secondes, Bibi, il a oublié tout ça. Oh là là, c'est méchant. Ah, c'est méchant. C'est écrit dans le, c'est écrit dans ma bio, mais c'est méchant. Marche bien sur les volants aussi, le lance-cap, du reste. Sur les volants? Mais comment tu fais pour lancer un câble sur un truc qui vole? Oh là là, je... Pff, non mais... faites des jeux simples. Hein. Les jeux où t'es obligé d'apprendre, moi je comprends rien à chaque fois. Hein. Euh,
La lumière est trop belle en fin de journée. L'après-midi de cette saison, c'est moche. Je fais des séances. Dehors, 2 heures avant le coucher du soleil, voire 1 heure pour une heure. Ok. De la photo, je précise. Séance de quoi? Ok. Méthonium, il va débloquer le succès. Utilisez mon l'arbre de base du jeu. Et oui, mais tu me dis ça. Ouais, non, mais tu as l'impression de me voir utiliser que 10%. Alors déjà, tu es de mauvaise foi. Déjà. Là-dessus, je pense qu'on sera assez d'accord. Parce que tu dis que j'utilise même pas le ralenti, tout ça, alors que c'est faux, je l'utilise. Donc voilà, bon, sur les 10%, il y a une partie de mauvaise foi. Et il y a une autre partie, oui, effectivement, il y a des trucs dont je me sers pas. Je l'avoue. Mais moi, vous savez, les jeux où faut apprendre. Ouais, les jeux où il y a plus de 2 boutons. les jeux où faut pas juste sauter. Je me perds, hein. En fait, là, je kiffe le jeu, quoi. Vraiment, je kiffe le jeu, vous le savez. Je vous l'ai dit à peu près. Quoi, il y a un bruit chelou, comme s'il y avait un gros ennemi. J'adore le jeu, quoi. Mais effectivement, je suis pas bon, quoi. Non, mais 5% de discrétion, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Récupérer ça, quoi. Ça peut servir. Effectivement, ça peut servir. D'abord, on a un renard, ok. Mais oh là, je vous jure, un jour je. Il y en a encore un gros là? Non, c'est encore un gros là-bas ou pas? Ah, c'est 2 gros là-bas! Ah non, mais non, bah niquez-vous. Finalement, je vais faire demi-tour, hein. Tu joues comme tu le sens. Non mais en fait j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien honnêtement, mais ouais faut que j'apprenne quoi. Petit renard qui va me filer mon niveau en plus, voilà. Merci petit renard. Quoi ces bruits? Il y a des bruits, ça me fait peur. Ah mais le bruit c'est le gros là-bas. Ok, bah j'ai compris. Sinon pour utiliser apprendre la P30, à chaque nouvelle arme tu obtiens chaque amélioration de celle-ci, t'as une quête d'apprentissage. Ouais j'en ai fait. Les quêtes, les didacticiels tu vois. Genre j'en ai fait 3. Et là j'avoue. Faire tomber des machines avec des câbles explosifs, faire tomber des machines avec des pyrocâbles. Lancer bombe gel sur des machines vulnérables au gel. Chose des bombes électriques sur les machines vulnérables. Tracker et haute patte. Ouais, je pourrais faire ça, hein. Piétineur, crasher, ouais. Brise rock. Ouais, ceux-là, je les ai pas trop vus. C'est quoi ça là-bas? Ah bah voilà un piétineur. Y avait là dans la quête, regardez. Regardez, didacticiel. Piétineur. Faut que je lui balance quoi? Des bombes gel. Je vais me faire défoncer. parce que je vais lui balancer une bombe gel. Je vais faire profil bas.
Et donc ça les ralentit, c'est ça? J'imagine. Quoi? Mais pourquoi il s'approche ce con? Non, regardez, je suis caché, je suis caché. Tu m'as pas vu? Je crois qu'il m'a vu. Merde, 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 y'a le gros qui m'a vu. Non, c'est bon. Non, c'est bon, en fait, regardez. Par contre, mon machin, là, il est complètement teubé, hein. Parce qu'il est en train de se faire défoncer par l'autre. Il m'a analysé. Il m'a analysé. Ah non, hein. Vas-y, défonce-le! C'est ça, mon gros! Casse-lui la gueule! Regardez comment il lui fait du dommage! C'est beau, hein! Ah non. J'ai pas vu. C'est bon. Il calmait. Le soleil illumine l'aurore. On est bien, hein. J'ai pas eu peur. Hein. Il est un peu vénère, le gros, là. Hein. Attendez, parce que du coup les modifs là c'est une bleue donc je peux virer voilà, ça je peux virer. Et oui, là j'ai 41 43, là je me fais chier avec des trucs où ça fait 13. Voilà,
Les boîtes à bonbons là. Non. Je vais me mettre dans les fourrés là. Non c'est pas ça. Je me disais merde pourquoi je suis aussi loin. Mais oui non c'est plus le... Dans Déponia t'aurais pu tout prendre. Effectivement. Mais bon dans Déponia il y aurait eu des vieilles vannes racistes et sexistes. J'essaie de lui casser la gueule au gros là. Oh, y a un feu de camp derrière. Vous savez quoi, je vais aller au feu de camp. Et après, j'essaie de défoncer le gros. Mon chat. Alors c'est quoi ces trucs là? C'est presque prêt. D'accord. Ok. C'est con, ça me servira pas là, mais... Alors, on y va avec ça. On va charger deux flèches. Il y a le lapin, il a eu peur. Le lapin, il s'est barré. Enfin, ça commence mal. Hein. Mais non, je me coince! Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi con. Non, non, non. C'est bien. Pourquoi tu te fous là, toi? Ah, j'ai cru que j'étais sur les...
Ah ouais, tu fais moi ton malin quand t'as plus ton arme, hein. Merde. Et donc après? Voilà. Merci Melzekiel. Parce que effectivement, en cassant la gueule du ravageur avant et en récupérant son arme, ça se passe vachement mieux. Ça fait quand même un dégât assez ouf, hein. En fait, heureusement qu'il est venu, finalement, le ravageur. Ça me crispe toujours. Comment ça, bluette? Comment ça, c'est inventaire plein? J'en ai marre. Ah, je suis juste à côté du feu de camp en plus là. Eh, j'ai réussi à sauvegarder sans me planter. Hein. Je l'accueille. C'est quoi les petits animaux là-bas? Faut clipper. Ah là là, ça se moque, ça se moque! Pourquoi vous se moquez là? Là c'est un haut de patte. Mais j'en ai vu, il y en a un autre là. J'arrive pas à les reconnaître en fait. J'arrive pas à les reconnaître facilement. Bon allez, on va aller au pont. Non, tu m'as pas vu. Pas vrai. Petit lapin. Merde. Merde, c'était les flèches enflammées. Ah merde. Pauvre petit lapinou. Ah, il y a un ravageur, un autre quoi. Il y a des gens là? En fait, ça veut dire qu'il y avait plein de gens. Il n'y en a pas un qui est venu me filer un coup de main quoi. Je garde ça pour plus tard. Ça me mène là? Mais c'est pas le bon pont, je me suis gouré de pont. C'est qui les gens là-bas? C'est des gentils ou c'est des méchants? Ah non, là-bas c'est des méchants.
Pourquoi il y a des méchants? Pourquoi je vais y aller? Pourquoi je vais leur casser la gueule? Je crois qu'ils me voient. Hein. Tiens, toi, plus de tête, toi, Alouette. Merde. Merde. Oh mais non mais... Bon vas-y. Non mais genre j'ai tué un tyrannosaure. Genre j'ai tué le T-Rex mécanique là. Et derrière il y a 4 PGU. Il y a 4 PGU. Hein? J'ai pas sauvegardé? Ah non! Attendez, j'ai pas sauvegardé après? Attendez, vous déconnez, j'ai pas sauvegardé après le combat. Non, rassurez-moi là, j'ai sauvegardé après le combat. C'est juste parce qu'il a repop le machin, mais non. Oui, peut-être. Attendez, c'est pas compliqué. Mon inventaire. Ressources. Cœur de ravageur, ouais, le cœur de ravageur, je l'ai eu, je viens de l'avoir. Ouais, non, non, c'est bon. Piétineur et ravageur, ouais. Non, non. C'est juste le sauvegarde. C'est juste le jeu qui a rechargé les ennemis, quoi. Ok. Bon, ça me rassure, hein, monsieur. Il semblait bien que j'allais sauvegarder après, quoi. Regardez, ils sont en train de se faire casser la gueule, là, du coup. Bah c'est bien fait pour eux. Ça leur apprendra, c'est ça le con. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais putain mais... putain mais les 4 PGU j'y arrive pas hein. Pourquoi? Voilà le pont dont parlait Jera. Voyons si je peux retrouver sa piste. Bah, j'ai parlé à un mec déjà. De l'aide! De l'aide! De l'aide! Qu'est-ce qui t'arrive? Accorde! De l'aide pour Belvédère! Les étincelles attaquent! Mon frère va mourir! Tout le monde! Pas si je me débrouille pour l'en empêcher. Moi je vous abandonne, j'ai brûlé mes neurones pour arrêter de penser. Vous avez fumé un gros tarpé? Comment ça? Il y a beaucoup de passages ici. Mais Kender avait un chariot alors. J'ai dans le bon sens ou pas? Non, j'ai dans le mauvais sens. Évidemment.
Il a quitté la route ? La piste s'arrête là. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? À qui ça peut être ? Je fume pas, jamais touché à ce qui se fume, oui. Il y en a partout. Il y a aussi du sang. Soit il est tombé, soit... Ça fait beaucoup de sang quand même. Plus de traces de sang. Il a dû prendre le temps de panser ses blessures. C'est blindé de monstres partout là ? De fabrication au sérum, ça. Au moins, il est facile à pister. J'espère qu'il est vivant. Bon. Non, attendez, je vais pas activer la piste. Hein. Lancer un stream et un mislike, oh là là. Bon courage. Bon courage ma Blacky, des bisous. Je fasse là parce que je vais quand même pas leur casser la gueule à tous là. J'ai rien pour me planquer, ils sont à côté. Examiner le tonneau, oh là là, mais je les déteste. Je vais même me faire repérer à 10 km quoi. Il y a les deux énormes là-bas, oh là là, je vais faire des fausses. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Et si j'essaie de leur casser la gueule depuis la hauteur ? Est-ce que ça va marcher ? Après vous. Mais est-ce qu'ils vont rameuter les autres à côté là-bas ? Là, ça me ferait du loot à mort. Hein.
encerclé. Mais c'est quoi ce... C'est quoi ce coin? Bon, si j'ai bien compris, où je balance des bombes givres. Merde, il se barre à ce moment-là. C'est pas une bombe givre, je suis trop con. Je crame des cactus innocents, c'est vrai. Nananère, je suis en haut. Je suis à sec. C'est pas grave, tu peux en refaire. Et est-ce qu'il peut péter? Parce que les autres là ils ont explosé à un moment là, c'était bien. Explose! Allez, un de moi. C'est marrant, ils sont vénères mais ils viennent pas me chercher. Ils sont bien vénères par contre. Alors, tac, tac. Regardez, on va les geler. Oh, mais c'est précis ce truc en fait. Je t'ai trouvé. Ouf, ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça marche vraiment bien. Oui, oui, d'accord.
étais presque. Ah, j'ai plus de ressources. J'ai plus de ressources. Pauvres animaux. Et hop, bon, il en reste plus qu'un. Le petit dernier là. Merde. J'ai entendu l'arc qui faisait blablabla. Sinon je le touche là ou pas? Ah, celui-là il est... Il est invincible. Je l'ai touché. Ok, bon, je les ai tous. Ils ont intérêt à me filer des ressources. Moi qui aime voyager léger. Qu'est-ce que c'est? Anti-électricité. Alors. On va dans l'inventaire, les modificateurs. Anti-électricité. Non, bobine électricité. Anti-électricité, il est là. Donc celui-là, je peux le virer. Celui-là, je peux le virer. Parce que là, c'est du bleu que je vais récupérer. Voilà. Pourquoi il a un gros truc vert au cul, l'autre là-haut, là ? Celui qui vole, là. Est-ce que c'est pas un truc qu'il faudrait que je récupère par hasard? Ah, mais c'est vrai que j'ai plus de place dans l'inventaire. Bah non, la lentille, je la veux. Je suis obligé de virer des trucs. Je sais pas virer des trucs. Les ressources. Qu'est-ce que je peux virer? Lentille de veilleur. Mais regardez ça, j'en ai 12 000 là, on s'en fout. Les veilleurs, je les bute 15 par 15 quoi. Ça c'est quoi? Regardez, j'en ai... Regardez, de la flambée, j'en ai trop, ça c'est quoi? Septac métallique, on s'en fout, c'est pareil. On vire tout. La bluette. Ah, les marchands, regardez, basse la fabrication de munitions de type électrique. Allez. Voilà, moi je veux mon truc... Bon. Mais finalement, j'étais pas obligé de les buter.
Putain, je l'ai trouvé. Je suis content de te voir. En fait, il était là. Tu es Kander? Je suis une amie de Jera. Ah? Je suis l'époux de Jera. On lui a dit que tu avais disparu. Je t'ai pisté. Explique-moi. Je voulais la rejoindre. Il y a eu une tempête de sable, j'ai voulu m'abriter. Mauvaise idée. Je suis bloqué ici en train de rôtir sur place, mes marchandises éparpillées par des piétineurs. J'ai eu largement le temps de m'entraîner à ravaler ma fierté. Tu veux bien récupérer ma sève de charognarde? Les bouteilles qui traînent au milieu du troupeau de piétineurs? C'est ça, je suis qu'un brasseur. Alors 5 bouteilles, ça vaut déjà plus que ce que je représente pour Jera. Chasseuse. Comment tes bouteilles se sont retrouvées si loin? Disons que j'ai pas compris tout de suite qu'il valait mieux pas courir en ligne droite. Bon bah finalement... Finalement, je les ai pas butés pour rien. Ok, donc là, il y a là. Apparemment, il fallait que j'aille le buter, l'oiseau, là. Le oiseau avec le truc vert dessus, là. Ça me trouble. Va falloir qu'on aille se le faire. Chasseuse, merci. De la vraie bonne liqueur au sérame, ça. Ça réchauffe si bien pendant l'hiver qu'on pourrait presque sortir tout nu. Kander, tu es parti. C'est pas un peu buggé? Si tu veux tout savoir, chasseuse, j'ai fait ça par amour. Quand Jera a dit qu'elle voulait quitter la requête, je suis allé voir les chefs de clan. Je te répéterai pas leurs paroles, ça te plairait pas. Je peux tout entendre. Non, je suis déjà tombé dans un trou assez profond pour cacher un gueule d'orage. J'ai eu tort de pas partir avec elle. J'ai eu bien le temps d'y penser. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Elle est allée au rempart refaire ses stocks. Bonne chance. T'as oublié de payer ton abo Canal+. Non mais voilà, c'était buggé en fait. C'était resté bloqué sur le... sur la vision. Il y a quand même des bugs dans le jeu, hein. C'est pas le premier. Pourquoi il y a plus le piou-piou? Ah, évidemment, vous voyez, je dis je vais buter le piou-piou avec le truc. Ah non, c'est bon, il est là. Ça me foutait un peu les boules de dire je vais buter le piou-piou avec le truc vert au cul là, et puis finalement que le truc se barre. Je ferai ce que je dois faire.
Mais non mais... C'est infernal quand on se plante comme ça quoi. Mais non mais... Ça, tu m'as saoulé, toi. Sincèrement, tu m'as saoulé. Hein. Bordel. C'est un grand open world, pas étonnant. Ouais, mais tu vois, enfin là, c'est un bug de vision. C'est même pas un bug sur... Allez. Ouais, finalement le piou-piou avec le truc vert. C'était une connerie, c'était un bait, c'était quoi? Belle trouvaille. C'est tout? C'est tout. Déjà pas mal. Hop, allez, on sauvegarde. Est-ce qu'on va terminer la quête en parlant à la machine là? Retrouvailles. Retrouver, voir Gera. Et ben on va y aller. Qui va nous dire qu'elle est très contente d'avoir récupéré les bouteilles de son mari. Parce que j'imaginais que j'étais gamin, mais c'est un travail honnête qui permet de protéger la ville. Oh, il fait un froid métallique aujourd'hui. Tiens, feu follet, des nouvelles de mon mari? Je l'ai trouvé, Gera. Je crois que vous allez avoir beaucoup à vous dire. J'aime bien discuter. Autour d'un verre. C'est pour ça que mon affaire marche. Tu vas être comblé. Mais Neige, elle est... Kender veut vivre avec toi. Il regrette d'avoir suivi les principes de vos chefs. Les femmes doivent rester à leur place. C'est leur principe. C'est le soleil Karja qui leur brûle le cerveau et leur donne des idées d'indépendance. C'est... ma tribu. Putain. T'énerve pas pour ça. Ça vaut pas la peine. Mon pauvre époux. Feu follet, comment te remercier? Tu seras toujours la bienvenue au refuge des chasseurs. Une boîte de récompense généreuse. Je sortir cette histoire. Il arrive à me rejoindre, bien sûr. Ah bah tellement le faire chier avec ça. Du coup, elle est terminée. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça à faire aussi. Si je vendais un peu des trucs là. Hein. Vendre. Qu'est-ce que j'ai à vendre ?
Munitions de type gel. Mais regardez combien j'en ai. Est-ce que j'en ai besoin d'autant? C'est ça la question. Ok. À vendre des trucs là, non. Et est-ce que je revends pas tous ceux qui sont en vert maintenant? Parce que... Attends, je vais plutôt chercher du bleu, quoi. Et tous ceux qui sont en vert, je les vends. On va faire de la place. Maintenant, on cherche du... J'ai même du violet maintenant, donc on va chercher du bleu et du violet. Hop, voilà. Et ça, c'est une bonne chose. Boîte de flambeur d'éclat. C'est rigolo. Objet, boîte, organisation, Banu qui est gratuit. Comment ça? En fait, j'avais ça de gratos depuis le début et je l'ai pas vu. En fait, j'avais d'autres. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que j'avais. Je suis un malin. Hein. Ah, y a pas à dire, je suis un malin. Hein. D'accord, donc j'avais. J'avais ça gratos. Et, en mode, je m'en fous, quoi. Ok, non, mais pourquoi pas. Hein. Potion de santé. Je peux en faire en fait. Ah, c'est bien ça. Potion de bonus de santé. J'ai qu'un point. Et j'ai qu'un point. Augmente les emplacements de ressources de l'inventaire de 20%. Ah mais c'est vachement bien ça. Ah mais c'est bien aussi ça. Oh là là, mais c'est... Hey, je peux décomposer les ressources et les modifications en éclats de métal équivalent. Mais voilà, j'ai même pas besoin... Ah ouais, non mais ça c'est bien aussi. Ok, ça en fait j'aurais pas besoin de retourner au shop pour vendre mes trucs, en fait je peux récupérer des éclats, ok. Mais ça c'est vachement bien. En fait ouais, faut vraiment que je bourre là-dedans quoi. Ça c'est bien aussi, j'ai plus de chances d'avoir des ressources intéressantes en fait sur les animaux et compagnie quoi. Bon c'est bien, je comprends les trucs au fur et à mesure. Le feu follet, il est où? Il est là. Une Nora, si j'en crois ton apparence. Tu viens voir à quoi ressemble la civilisation? Allez. Petite sauvegarde. Le froid picote. Et pause. YouTube, je vous salue. À la prochaine.